Je m'appelle Amadou, je suis professeur à l'Institut français d'Ukraine. Et je voudrais un peu vous raconter sur ma vie à Kiev, mes expériences de vie dans cette très belle ville qui est la capitale de l'Ukraine. C'est une ville où je vis depuis presque 3 décennies, ça fait déjà longtemps, où j'ai fait mes études, oui, où j'ai fondé une famille. Et je peux dire que c'est une ville qui a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'aura, et où il fait bon vivre, quelle que soit la saison. C'est une ville où on peut voir beaucoup de choses assez contrastées, comme par exemple sur le plan relief, c'est une ville très accidentée, donc avec des collines, avec des bas-fonds, si vous voulez, une ville très verte, très très verte, je crois que c'est la plus verte en Europe, voilà, et avec une population assez cosmopolite, parce que c'était la deuxième ville de l'ex-Union soviétique, donc il y avait les peuples des ex-républiques soviétiques qui sont représentés, plus aussi beaucoup d'étrangers qui habitent dans cette ville depuis l'indépendance de l'Ukraine, depuis donc les années 90. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de tous les continents, qui travaillent, qui étudient. C'est une ville universitaire avec beaucoup d'universités, d'académies. Voilà, une ville qui se commercialise, donc il y a beaucoup de commerce, beaucoup de lieux qu'on peut visiter, où on peut se reposer, des cafés, des restos, des galeries. Ce que je peux dire, c'est que les étrangers ici sont bien, ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise. Quand ils viennent, ils n'ont plus envie de retourner chez eux d'ailleurs, ou bien ils reviennent parce qu'ils ont la nostalgie de Kiev.